Bonjour Andy. Bonjour. Bonjour, oui. Voilà. C'est bon. Tu avais entendu qu'il y avait... Oui, j'ai entendu qu'on ne m'entendait pas. Il y avait quelqu'un qui, à la console, était aux abonnés absents. Exactement. Mais toi, tu ne l'étais pas. Anthony. Andy. Pardon. Ça fait deux fois que je suis pris en défaut. Donc, Anthony. Andy. Andy. Oui. Excellent. Trois fois et j'y suis. Andy. Oui. Ça ne paraîtrait pas aujourd'hui si on te laissait me corriger une quatrième fois, mais depuis toujours, tu souffres de troubles de langage. Oui, exactement. Je suis un élève en dysphasie qui est un trouble de langage, bien évidemment. Ce qui fait que quand tu as commencé ton parcours à l'école, tu étais dans des classes de soutien. Oui. Nos classes étaient réduites, donc on était à peu près 8 à 10 élèves à peu près dans la classe. Comment on surmonte ça? Parce que si on n'était pas prévenu, si je te rencontrais, j'aurais l'impression que tout a été bien dans ta vie. Disons que c'est beaucoup, beaucoup de pratique. On me le disait souvent, c'est pas un déterminant, c'est pas un déterminant. C'est pas un masculin, c'est féminin. Donc, tu dis pas le fleur, mais tu dis la fleur, ou par exemple. Donc, moi, j'ai beaucoup travaillé là-dessus. Après ça, c'est venu tranquillement, pas vite. J'ai commencé à mieux m'y faire avec ma langue. Mais parfois, je fais quelques petites erreurs de frappe en parlant. Mais il reste que tu as trouvé un moyen de faire ton chemin. Exactement. Lire. Ça ne devait pas être évident. Ouf, et encore là, ce n'est pas évident encore. Mais encore là, c'est de la pratique. C'est beaucoup de pratique. Autour de toi, il y a des gens qui ont fait la différence, qui ont fait que tu as su t'accrocher. Il y a des personnages, des mentors, des gens de la famille qui t'ont aidé. Oui, c'est mon père. Mon père m'a beaucoup poussé dans les études. Il m'a vraiment... il était vraiment derrière moi, puis il était à strict... que je puisse aller plus loin. Mais tu as perdu ton père. Exactement. Je l'ai perdu le 31 octobre 2014. Donc, bientôt, si je sais bien compter, 8 ans. Donc, ça a été un moment très, très difficile. Ça a été un moment très difficile dans ma vie. Et dans ton parcours, ça a été aussi comme... si on était sur un jeu de parchésie, il y a des échelles et des serpents. C'est un peu un serpent. Tu es redescendu. Ça a ralenti les progrès que tu avais accomplis. Comment tu t'es remis de ce deuil? J'ai demandé de l'aide pour commencer. C'est passé un vendredi, le décès. Donc, direct en rentrant lundi, je suis allé voir mon prof, prof José. J'y ai demandé de l'aide, j'y ai raconté, mais même ma mère a appelé l'école pour prévenir de la nouvelle. J'ai demandé de l'aide, on m'a envoyé un psycho-éducatrice. Puis depuis ce moment-là, je parle plus souvent avec elle dans mon école pour surmonter mon épreuve. Et c'est encore une blessure vive, je le sens, je le vois, mais... Tu as, 7 ans, bientôt 8 ans plus tard, réussi à justement te forger un destin. On t'a permis de faire un stage à un moment donné. Est-ce que ça s'appelle Acrosport, c'est ça? Oui, Acrosport par Annie. Mais des gens qui ont eu confiance en toi. Exactement. Ça faisait partie de mon programme, justement. Je devais faire des stages pour mieux m'habituer dans le thème du marché du travail. J'ai fait mon stage là-bas, puis j'ai même été engagé en tant qu'employé là-bas. Ça a changé ta perspective sur toi-même, de voir que quelqu'un avait confiance en toi? Oui, ça a beaucoup changé. Ça a même fait un... Je ne sais pas comment le décrire, mais ça a vraiment beaucoup changé ma vie. Bien, juste ton visage est suffisant. Quand tu souris comme ça, on sait que ça a fonctionné. Tu vas compléter ton secondaire 5, c'est fait? Oui, c'est déjà tout complété. Je suis rendu au cégep en ce moment.